En ce dernier week-end du mois de septembre, plusieurs milliers de personnes se sont donné rendez-vous au Sable d'Olonne pour le baptême du maxi trimaran de Thomas Coville. Construit à l'autre bout de la planète, en Australie, Sodebo vient de parcourir un demi-tour du monde à travers les pays et paysages qui voyaient pour la première fois un drôle de bateau à trois coques qui allait plus vite que le vent. Fin d'une première aventure, celle de la conception et de la construction. Début, dès la semaine prochaine, celle de la préparation au record, record en solitaire autour de la planète, détenu aujourd'hui par Hélène MacArthur. À 39 ans, c'est un sacré parcours océanique que Thomas a déjà derrière lui. Mai 68, c'est bien la date de naissance de Thomas en plein milieu des événements du même nom. En 1985, un premier Tour de France à la voile, et puis les navigations s'enchaînent en parallèle avec ses études d'ingénieur en informatique. Thomas fait partie de ces jeunes navigateurs qui n'hésitent pas à s'expatrier pour courir sur toutes les épreuves internationales comme Sydney Hobart, Admiral's Cup, etc. avant sa rencontre avec Laurent Bourgnon, rencontre qui sera la clé de toute la suite de sa carrière de marin. Thomas fait partie de toutes les galères et de toutes les victoires du trimaran Primagaz. C'est la grande époque de la bande à Bourgnon. Bande de copains prêts à suivre pour le plaisir et l'esprit de compétition. Il y aura ensuite l'America's Cup à San Diego avec Marc Pajot sur France 2 3. Passe ta mini d'abord. Ce slogan de Thierry Dubois, Thomas l'avait déjà fait sien en s'engageant sur le circuit en 1995 et 1996. Il gagne un championnat national et arrive en seconde position au classement général de la Mini Transat avant de terminer premier de la Transgascogne. C'est ensuite un premier tour du monde et une première victoire lors du trophée Jules Verne avec Olivier de Kersauzon sur Sporelec. Tu as choisi la liberté. Après avoir gagné la route de l'or sur Aquitaine Innovation avec Yves Parlier, qui, victime d'un accident, ne peut participer à la route du Rhum, Thomas prend la barre du 60 pieds et remporte sa première grande épreuve en solitaire. 1998. Après un passage sur le circuit Figaro, Thomas participe à la Transat Jacques Vabre sur un 60 pieds qui porte le nom de Sodebo. Et puis, c'est le Vendée Globe qui termine à la 6e place. En 2000, il participe à la Volvo Ocean Race à bord de Dijuice et puis commence la saga du multi-60 pieds Sodebo. C'est la grande époque de la classe Orma et Thomas s'aligne sur toutes les épreuves du circuit. Challenge mondial assistance, Transat Jacques Vabre, ce Transat, Québec Saint-Malo, etc. se plaçant régulièrement entre la 5e et la 2e place. Puis c'est l'aventure internationale de l'Oryx Quest, tour du monde en équipage au départ du Qatar, où il termine premier à bord de Doha 2006. En 2004, débutent les années records en solitaire sur le trimaran de 60 pieds. La route de la découverte, record battu entre Cadix et San Salvador. Miami-New York, record battu. Enfin, l'abandon dans la Transat Jacques Vabre, où avec Jacques Vincent, il parvient à sauver son Sodebo, totalement disloqué, qui sera reconstruit pour battre le record de la Manche, puis celui du Tour des îles Britanniques, avant de courir pour la dernière fois la route du Rhum 2006, qu'il termine en 3e position. Le trimaran Sodebo, taille maxi, se prépare à emmener Thomas pour un 4e tour du monde. Parce qu'il aime le solitaire, la vitesse et aussi les défis, un peu ultimes. Alors, il part à la chasse au record d'Hélène MacArthur, amie de longue date et marraine de Sodebo. Le record en solitaire autour de la planète, c'est aujourd'hui Hélène MacArthur qui le détient. Beaucoup se souviennent de ces images très fortes de la navigatrice à bord de son grand multi. Oh my God, the last 3 days have been hell.
Ça a été l'enfer durant les trois derniers jours. Je n'avais encore jamais rencontré des conditions comme ça. Avec 71 jours, 14 heures, 18 minutes et 33 secondes à bord du trimaran Castorama, elle battait ainsi le précédent record de plus d'un jour et 8 heures détenu par Francis Joyon en 2004 à bord d'IDEC. On dort très très peu, c'est très très stressante, très stressante. Et je crois que c'est un bon analogie, c'est de, quand on est dans une voiture, si on fait 30 à l'heure, ça va, on peut parler, on peut tout faire, on peut en discuter, on peut écouter la musique. Si on est à 100 à l'heure, c'est un peu plus vite, donc on trouve ça c'est un peu plus dur, on concentre plus. Si on est à 200 à l'heure, c'est le stress, quoi. Et là, c'est 200 à l'heure, 2 mois et demi, jour et nuit, donc ça augmente le stress forcément. Le Castorama de Dame Hélène a été dessiné par un certain Nigel Irens, qui signe également, en compagnie de Benoît Cabaret, le dessin du maxi trimaran Sodebo et du nouvel IDEC de Francis Joyon qui, à la Trinité-sur-Mer, se prépare également à partir à la chasse au record autour du monde vers la même époque. Dans ma tête et sur le bateau, je l'ai envisagé comme étant beaucoup plus dur que le Vendée Globe. Maintenant, je ne sais pas si, en rentrant, je te dirai ça, mais ce que j'ai pu vivre déjà en multicoque autour de la planète en équipage m'avait donné déjà la dimension de l'engagement physique et de l'engagement psychologique que ça représente d'aller vite et d'aller plus vite avec la sanction ultime que de chavirer, ça veut dire la mort. Donc c'est effectivement, dans ma tête, j'envisage que effectivement, c'est beaucoup plus difficile que le Vendée Globe. Sodebo est maintenant à Lorient pour être complètement démonté et révisé avant de se mettre en stand-by et attendre la décision de Dame Nature qui doit offrir à Thomas le bon créneau pour assurer le bon départ de cette chevauchée extrême jusqu'au bout de ses passions.